Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission francophone des Tech Talk Live saison 2. Je m'appelle Joël banque je suis spécialiste des synthétiseurs et claviers de scène Yamaha et je travaille en collaboration avec Yamaha via mon site et mon entreprise qui se nomme Moessieux. Je suis très content de vous retrouver après ces 15 jours. Alors, si vous nous rejoignez pour la première fois, si vous ne savez pas ce qu'est un. Hein, TikTok Live, c'est une émission en direct. Et oui, on est en direct sur la chaîne Yamaha Saint officielle. On est une équipe internationale. On prend un thème qu'on va aborder pendant environ une vingtaine de minutes. Puis après, je vous donne quelques liens utiles. Et euh, je répondrai aux questions euh, qu'il y aura, je l'espère, dans le chat. Parce que dans le, le Qualtrics, le Telstock Question, eh ben, hier, il n'y avait pas de questions en français. Donc, euh, je ne pourrais pas répondre déjà s'il n'y en a pas. Donc, je compte sur vous pour aller dans le chat, animer euh, le chat et euh, poser des questions auxquelles je pourrai répondre tout à l'heure. Alors, euh, cette émission, aujourd'hui, elle est consacrée... Au YC, à la série YC, les claviers de scène Yamaha. Et donc je vais passer sur la euh, vue où on voit ici le YC61, c'est le plus petit de la gamme, il y a le 73, il y a le 88. Euh, et celui-ci est remarquable par sa compacité, son poids plume de euh, 7,1 kg. Alors aujourd'hui on va euh, faire du son, on va travailler sur le son, on va travailler sur les effets, on va travailler sur les contrôleurs. Je vais passer euh, tout de suite sur ce euh, premier euh, live set. Alors si vous ne savez pas ce qu'est un live set sur, euh, par exemple, la série YC, et eh bien un live set, c'est euh, l'ensemble de tous les réglages que je peux faire ici sur mes diverses sections. Évidemment, ce qui nous attire en premier, c'est la section World qui est là avec ses tirettes harmoniques de tout ce que je peux faire sur ma section KA KB donc c'est deux autres types d'instruments et tous les effets donc tout ce que je vais modifier ici plus certains réglages qui sont dans la partie settings ici donc tout ça ça compose un live set et euh, un live set par exemple c'est pour jouer un, un morceau et on peut mémoriser donc et nommer comme vous voyez j'ai nommé mes live Sets, ici il s'appelle TTL pour tech Talk live euh, FR bah parce que c'est la session francophone et euh, RD, parce que je suis sur un piano électrique avec un pad, un pad analogique. J'ai pas voulu commencer avec les orgues ce soir. Je me suis dit qu'on allait commencer avec un des sons de piano électrique qui est arrivé avec l'OS. 1.10, l'OS, c'est l'operating system, c'est la mise à jour du système qui permet d'ajouter donc des formes d'ondes, des sons, des live sets euh, et des réglages, par exemple, etc., etc. Et si j'ai voulu commencer par cet électrique euh, piano, c'est parce que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup notamment parce que on peut très bien jouer avec lui de manière assez douce. Puis on peut aller attaquer derrière le son un peu plus. Vous voyez, ça répond très bien. Moi, j'aime beaucoup ça dans les pianos électriques de la série YC, par exemple. Alors, on va parler un peu des effets, on va parler des contrôleurs ce soir sur ce piano électrique qui est un RD. Euh, donc j'ai mis, alors si je veux voir parce qu'il est en position euh, KA, alors vous voyez à l'écran, hein, vous voyez le petit A, vous voyez deux points à côté, donc les deux points euh, vous signalent donc que euh, le piano électrique est sur l'ensemble du clavier. Et puis, vous voyez en dessous que pour l'analogue pad, il y a un seul euh, petit point. Donc, ce seul petit point veut dire qu'il est sur la partie euh, gauche du clavier. Ça veut donc dire que j'ai séparé le clavier, je l'ai euh, splité euh, pour avoir l'analogue pad uniquement ici. Et faire un split vraiment sur le YC, il n'y a pas plus simple. Euh, vous allez ici sur Split Point. Et vous voyez qu'à l'écran, ça s'affiche ici. J'ai euh, splité au F2 qui est là. Si je voulais changer, passer au F3, euh, au G2, pardon, excusez-moi. Vous voyez, on est en direct. Euh, voilà, le G2, bah, voilà, il suffit de faire ça. Alors évidemment, là, j'entends pas de son parce que à chaque fois que je touche sur une note, je change mon point de partage. Donc je vais revenir à mon F2. Et euh, alors, on peut soit appuyer pour Exit pour ressortir, ou si je rappuie sur Settings, euh, je peux revenir comme ça aussi à euh, ma vue des euh, live-sets, de mon live-set qui est en cours. Donc voilà pour le point de partage, comme ça vous avez la petite explication des points. Vous verrez aussi à l'écran qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent quand je bouge un contrôleur, on voit ce que je bouge. Et en plus, ça vous indique en dessous le control change, le CC. Ça veut dire que quand on va vouloir assigner des contrôleurs, c'est très simple, vous le bougez un peu, vous voyez le numéro, le control change, et on pourra aller l'assigner tout simplement. Alors, mon piano électrique, je lui ai mis quelques effets. Il y a deux effets pour le KEA il y a un autopan. Donc c'est classique hein, sur un piano électrique, on peut mettre un autopane ou un trémolo par exemple. Et il y a un effet qui s'appelle C4, donc c'est un chorus, et c'est une exclusivité de la série YC. Euh, je vais le remettre, voilà, c'est le chorus 816. Celui-là, vous ne le trouvez que sur les YC. Euh, mon pad, je l'ai un peu retravaillé, ce pad. J'ai un peu travaillé ici au filtre. Ça aussi, vous l'avez que sur les YC, mais je reviendrai là-dessus dans un autre live set. Et puis, euh, mon pad, je lui ai mis un analog delay et un harmonic Lancer. Alors, qu'est-ce que ça fait si j'isole? Vous voyez, on désactive la section comme ça. J'ai levé mon électrique piano. Euh, j'ai levé mes effets. Voilà. Et donc, euh, là, j'ai mon pad euh, tel qu'il était tout à l'heure mais sans les effets, donc ça veut dire que là j'ai pas d'effet et euh, là j'ai mis un delay et ça arrondit un petit peu le son. Voilà, j'ai pas fait un delay pour que ça fasse de la résonance euh, large. Je l'ai réglé avec ces deux réglages. Vous avez le def, c'est ce qu'on appelle grosso modo un hein, peu pour, pour tous les effets, la profondeur, et le rate, ça dépend du type d'effet, mais en général c'est plutôt la vitesse. Voilà, donc j'ai déjà fait ça. Et euh, l'harmonic enhancer va nous permettre, vous entendez la différence Ce n'est pas un équaliseur, c'est pas un filtre, mais on travaille quand même sur des fréquences et avec mes deux boutons. Donc j'ai travaillé mon son. Vous voyez qu'on peut l'arrondir, lui donner différentes sonorités. Donc c'est ça qu'on voit ce soir. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les sonorités pour être un petit peu créatif avec nos live sets et sortir un petit peu des sentiers battus. Moi, je veux vous emmener un petit peu euh, dans d'autres domaines que euh, les domaines classiques où je mets simplement un petit chorus, un petit effet tout simple euh, sur mes euh, électriques piano par exemple, et, et mon petit pad qui l'accompagne. Alors là, j'ai rajouté un pad à l'électrique piano. Mais par exemple, si vous prenez un piano acoustique, il existe déjà euh, des euh, piano strings euh, ou piano pads qui consomme, on va dire une seule euh, une seule voice et sur laquelle vous pouvez rajouter par exemple une basse euh, sur la partie de gauche euh, ça ça existe pour les pianos acoustiques euh, pour les électriques par exemple j'ai rajouté mon pad euh, dans euh, cet exemple et puis là bah, si si je joue je me dis c'est bien ça sonne bien c'est joli mais là bon à la base de l'électrique piano, c'est pas mal, sympa, mais j'aimerais ajouter une basse. Sauf que là, ben, mon key A, je l'ai déjà utilisé, c'est mon piano électrique, mon key B, c'est mon analog pad. Donc là, j'ai plus de basse parce que les basses, j'ai situent ici avec le bouton sélectif ici, vous allez pouvoir choisir des pianos, les électriques pianos, les synthes et les Overs, notamment les basses, on va les trouver comme des chromatiques percussions dans les Overs. Et bien, je vous rappelle que vous avez une section orgue qui est là. Et sur un orgue, si vous prenez un orgue meuble, vous avez un clavier du haut qui s'appelle le upper. Vous avez un clavier du bas qui s'appelle le lower. Et souvent, on a un pédalier. Avec le pédalier, on fait des basses. Bon, on n'a pas de pédalier. Mais on a bien les sections upper et lower. Et si j'active ma section d'orgue, je me suis mis sur le lower. Ici, on va sélectionner notre son d'orgue. Donc, vous avez des orgues, ce sont des émulations. Euh, ce n'est pas des samplings, ce n'est pas des échantillons. Donc, il y a le H1, H2, H3. Je pense que vous comprenez pourquoi ça s'appelle H. Hein, on ne va pas citer de marque. Donc, j'ai pris le 2 qui est un peu passe-partout dans le mix. Le, le 1, il est un peu plus pour être en solo, pour être devant. Et le 3, il est un petit peu plus rock. Voilà, euh, j'ai mis des couleurs, on peut changer les couleurs sur nos tirettes harmoniques. Et là, donc j'ai travaillé surtout sur les basses. Donc si je coupe les deux autres pour vous faire écouter, bien réglé, ça peut faire la farce, ça peut ressembler un petit peu à une basse. Donc ça permet un petit peu d'ajouter un autre élément euh, intéressant. Alors par contre, ce qui va se passer, là j'ai rajouté mon orgue basse, je lui ai mis un pre-drive, euh, ce qui va se passer c'est que euh, bah, si je fais ce qu'on appelle le sustain, c'est-à-dire que j'appuie sur ma pédale pour maintenir le son, donc ça me permet de maintenir le son du piano électrique et du pad par exemple, très bien, mais ma basse, orgue aussi, elle est maintenue. Et là, ça ne m'intéresse pas vraiment, parce que la base, on veut qu'elle ne soit pas dans le sustain. Alors, vous allez voir, on va rentrer dans les écrans c'est très très simple, on ne va pas naviguer très profondément. Alors, le réglage menu, ça c'est vraiment pour les réglages généraux, MIDI, euh, plein de réglages USB, tout ça, euh, du YC. Et si on veut rentrer dans les réglages du Live Set, on va sur la partie Settings. Donc dans Settings, comme je veux travailler sur ma pédale qui est un contrôleur, je vais aller. Alors, je peux utiliser ici l'encodeur et le tourner. Et pour valider, j'appuie dessus pour faire Enter. Je peux aussi, je me remets là, utiliser les boutons. Euh, ici, il y en a six qui sont allumés parce que j'ai six euh, colonnes. Euh, six lignes plutôt, c'est pas des colonnes. Euh, et donc contrôleur, c'est le 4, donc j'appuie sur 4, et je suis dans la fenêtre contrôleur, vous c'est un moyen de naviguer assez euh, facilement. Et ben, moi je vais aller voir le sustain, euh, donc euh, je vais aller euh, dans reset Switch, et pas dans la, la pédale Sustain, dire qu'est-ce que je reçois le reset Switch, qu'est-ce que je ne reçois pas. Et donc je vais aller sur Sustain, et là, j'ai mes trois types de sons organe qui est à kébé et donc sur organe je valide et là vous voyez que le sustain est actif il est on donc je vais le désactiver je vais le mettre sur off alors je peux faire exit 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 sinon je vous rappelle on fait settings et on revient à l'écran euh, et là maintenant je vais recouper ici pour vous faire bien écouter mon orgue voilà, j'ai le pied sur la pédale, il hein, faut me croire parce que je ne peux pas filmer la pédale. Euh, et je peux euh, vous montrer comme ceci. Et le son a légèrement euh, bougé. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, donc j'ai mis un peu de, de pre-drive euh, sur mon son d'orgue. Très important le pré-drive, il rajoute du grain. il rajoute pas que du son, ça rajoute du grain, euh, un petit peu de gras, on va dire comme ça. Euh, évidemment, bon, on peut bouger euh, les octaves ici, mais je ne vais pas rentrer dans ce Live Set dans euh, ces réglages-là. Mais pour avoir ce son euh, de basse un petit peu euh, comme ça, euh, j'ai activé les effets. C'est là où le YC il a une flexibilité qui est intéressante au niveau des effets. Il y a les effets pour les l'IKEA qui sont ici, il y a deux effets chacun, et puis vous avez ici Insertion 1, insertion 1, euh, et ici vous avez la section modélisation, c'est de la modélisation aussi au niveau des effets, speaker amp. Alors là, j'ai fait passer... On peut en faire entrer qu'un dans chaque section. Ici, dans la euh, section 1, j'ai fait rentrer mon orgue et on agit on a avec ce petit bouton pour le faire changer. Et ici, euh, j'ai fait rentrer l'électrique piano et j'ai mis notamment l'émulation Case qui est une émulation dédiée aux euh, électriques pianos et qui va euh, très très bien euh, pour mon électrique piano que j'utilise. Je reviens ici, donc euh, j'ai mis un low pass filter. Donc un low pass filter, ben, ça permet de laisser passer surtout les low, les basses fréquences. Et c'est ce qui me permet d'avoir ce son qui ressemble plus vraiment à un orgue, Parce que si je le coupe, écoutez, on entend, malgré que ce soit la 16 ici, on entend quand même des fréquences qui sont moins agréables si on veut essayer d'émuler un peu une basse. Et j'ai fait un autre réglage. Qui est intéressant également euh, au niveau des contrôleurs euh, sur ma pédale à FC7 que j'ai branché, euh, j'ai pris donc le, le rate, la quantité, euh, la vitesse un peu d'effet aussi, on pourrait dire, mais ça dépend après des effets, c'est pas toujours la vitesse. Euh, et euh, donc je peux la contrôler avec la pédale, mais vous allez voir, regardez bien ici, je la contrôle pas jusqu'au bout. Là j'ai baissé ma pédale à fond et en fait pour chaque effet, alors, je ne vais pas rentrer dans tous les écrans parce qu'avec une demi-heure d'émission, je n'ai pas le temps, il me faudrait une bonne heure. Euh, on peut régler la plage. C'est-à-dire, on n'est pas abridé à faire du 0 à 127. Là, je lui dis, tu vas que de 6 à 26. Ce qui me permet de, de gérer mon son. assez subtil hein, quand même dans le réglage parce que sinon après on repart à entendre ces fréquences médium et c'est ce qui me permet donc d'avoir un peu cette émulation de basse et c'est là où il faut être un peu créatif, aller chercher un peu des choses euh, pour ce live set. Donc voilà pour ce premier exemple que je tenais à, à vous montrer. Alors deuxième exemple. Là, on est sur un live set qui s'appelle Full FM. Parce que euh, tout le monde connaît, je pense, la WM2, qui est la, la synthèse d'échantillonnage Yamaha, qui est utilisée de, depuis des années, qui fonctionne très très bien. Euh, mais on a aussi euh, pas que des effets euh, et pas que de l'émulation VCM, Virtual Security Modeling. Je ne vais pas rentrer là non plus dans les détails. Euh, on a pour les orgues donc de la FM et même de la FMX, puisqu'on a 8 opérateurs ici euh, et on a trois types de sons donc le F1 qui est le son on va dire un peu basique un peu, un peu comme le DX7 mais à 8 opérateurs et puis on a un F2 qui euh, simule les orgues à euh, transistor britannique voilà j'ai toujours pas cité de marque et le F3 c'est les orgues à transistor italiens. je pense que si vous connaissez un peu les orgues ça va euh, vous parler donc là j'ai choisi euh, le F1 euh, tout simple pour jouer euh, des accords Donc là aussi, mon orgue, vous voyez le petit point euh, sur l'écran, sur la ligne 1 qui est, qui est mon orgue, il y a écrit haut devant, euh, veut dire que j'ai donc séparé, j'ai bien euh, splitté euh, mon clavier. Et puis ici à droite, donc j'ai un autre son, mais ce n'est pas un orgue en FM. On a des leads, on a des pads, on a des basses FM bien évidemment également, on a les chromatiques percussions, il y a même euh, la guitare FM euh, qui est très connue sur le montage. Donc là, j'ai un petit lead FM. Alors la première des choses que je peux euh, vous montrer sur mon orgue, c'est euh, déjà attention, les orgues FM, vous n'avez pas, que ce soit le upper ou le lower, vous n'avez pas de vibrato chorus, vous n'avez pas de percussion. Alors que sur les trois orgues H, on aura euh, ces réglages, percussion et vibrato actifs. Donc c'est pour ça que ces réglages qui sont ici sont désactivés. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à euh, vous rappeler. Alors. On a parlé de la section émulation en speaker amp tout à l'heure, et c'est là-dedans qu'on va trouver les deux effets euh, Rotary en émulation VCM. Donc là, j'ai pris le Rotary A, hein, on peut choisir avec le bouton ici, prendre le Rotary B. Et donc, on va parler de comment on active euh, le Rotary. Euh, donc, il y a déjà des boutons euh, très simples qui sont ici. Il y a un bouton stop qui permet de l'arrêter, et je peux activer mon Rotary euh, avec le bouton si j'ai le temps de mettre la main, par exemple, c'est une première solution. Donc là, il est très doux, hein. euh, je l'ai mis très doux. Puis je peux l'activer comme ça. Voilà, il arrive. Donc, ça, c'est une première manière. Et dans les contrôleurs, c'est ça qui est très très bien avec le Y, il est très flexible. Je peux, euh, par exemple, euh, si les boutons, je trouve que c'est un peu incertain, utiliser par exemple ma manette de modulation qui est ici. Et vous voyez, dès que j'ai poussé la manette vers le haut, je suis passé en réglage face. Dès que j'attire vers le bas, je suis en réglage slow. Là, c'est toujours pareil. Oh, fast, bas, slow. On peut faire la même chose avec une pédale FC7, mais moi ce soir j'ai choisi de faire autre chose avec la pédale. Et puis si j'ai pas besoin du pitch band là, eh bien mon pitch band, regardez bien, il va servir à euh, bouger le Rotary aussi. On peut euh, le contrôler avec la manette de pitch 20 et là alors il n'y a pas de position vous pouvez faire à droite tout à droite tout à gauche comme vous voulez un coup à droite un coup à gauche à chaque fois ça va changer la vitesse de mon rotary alors pour ma pédale fc7 moi ce que j'ai voulu c'est faire autre chose c'est parce que on a les tirettes harmoniques ici et ça peut être intéressant en cours de jeu de changer le réglage de tirette. Et parfois, on a besoin de nos deux mains et on n'aura pas le temps d'aller chercher, même si c'est très précis, même si on sent bien les clics, même si on voit bien avec les LED, on n'aura peut-être pas le temps d'aller chercher la tirette. Et bien, si vous avez une pédale FC7, vous allez pouvoir contrôler la tirette. Regardez bien la troisième. Voilà. Avec ma pédale, je peux ajouter une tirette en cours de jeu. Donc ça aussi, très intéressant. Si vous en avez deux, vous pouvez contrôler deux tirettes. Alors, on va passer maintenant à notre petit lead. Lead FM, sympathique, qui sonne bien. Et là aussi, on a une exclusivité de la série YC euh, que nous envie d'ailleurs les utilisateurs du montage et du MODX. Euh, si vous connaissez l'histoire du DX7 qui est sorti en 83, le DX7 à l'époque, le premier synthétiseur FM grand public, on va dire, par rapport au, au GX1, euh, qui euh, n'avait pas d'effet. Il n'avait pas d'effet, il n'y a pas de chorus, il n'y a pas de reverb, tout ça. Par contre, euh, il avait un petit truc qui s'appelle l'unisson. Et cet unisson, vous allez le trouver dans le YC. Donc je vais cliquer sur Settings, je vais aller cliquer sur euh, Sonde. Alors évidemment, je vais aller dans euh, KA Settings, puisque euh, mon lead, je l'ai mis en KA, donc je valide ici. Et vous voyez qu'on a FM Unisson qui est là euh, sur cette ligne. Euh, si vous faites ça sur un son qui a WM2 et que vous avez tenté d'activer, ça va vous dire que ce n'est pas un son FM. Pas vous donner exactement ce message, mais grosso modo ça dit ça. Donc j'active, il euh, y a un mode, donc on peut, on est sur off, on peut ne pas l'utiliser. On a un 2 unisson ou on a un 4 unisson. Pour vous le faire simple, c'est un peu comme un peu des, des, des harmonies euh, sur, euh, qui s'ajoutent euh, et qui vont gonfler le son. Donc je vais choisir le 2, on, on va être sage. Et pour l'instant rien ne se passe pourquoi parce que il faut que euh, j'aille après dans les réglages ici donc le plus important d'un réglage c'est le détune il va de 0 à 15 donc voilà l'unisson qui est là et puis après vous avez le spread alors c'est un terme anglais qui veut dire la diffusion c'est un réglage qui est un petit peu plus fin alors je ne suis pas sûr que via youtube en direct avec la compression vous l'entendiez bien quand on est au casque on, on l'entend déjà mieux Donc voilà, euh, par exemple, pour gonfler un, un son de FM, ce qu'on peut faire, on peut, on peut lui mettre comme ceci euh, l'unisson, pour lui donner un peu, de, un peu plus de corps, un peu plus de gras. Euh, on peut rajouter un autre son, vous voyez, un FM saw Pad. Et lui, par contre, voilà, je l'ai travaillé au niveau des octaves. Euh, je l'ai mis à un octave en dessous, vous voyez, pour qu'il qu soit différent, qu'il détonne un petit peu de manière différente. Hein. Voilà, je pourrais les mettre à la même ou plus aiguë. Ça dépend du résultat que vous pouvez faire. Vous voyez, tout est disponible, tout est facile et euh, tout est sous la main. Troisième exemple que je voulais vous montrer ce soir. Euh, là, on va partir au départ sur quelque chose de euh, beaucoup plus simple. Alors là, on n'a que de la WM2. Là, à nouveau, j'ai séparé mon clavier. Sur la partie droite, j'ai un ensemble de cordes assez classiques qu'on appelle les, soul, les slow, excusez-moi, strings. J'ai mis un petit chorus dessus euh, pour être sympa. Et euh, à gauche, sur mon KB, j'ai mis une upright basse très belle basse, AWM2 euh, toujours. Donc là on est euh, très classique et c'est là où on va un peu rentrer et euh, travailler nos effets. Si je veux faire quelque chose d'un peu plus pop, parce que euh, on n'est pas obligé avec les YC de faire, notamment parce qu'il y a des orques du rock, du gospel, du jazz, du blues, hein, on peut faire des choses très pop. Euh, je vous montrerai après que vous faire des choses encore plus modernes avec. Euh, si vous voulez faire un petit peu quelque chose d'un peu plus pop, euh, je vais repasser donc sur mon KA. Le A, je vous rappelle, vous voyez à l'écran en haut, c'est le slow string. Et je vais lui activer euh, ce petit effet que j'ai mis là. Et oui, j'ai mis une distorsion sur un ensemble de cordes. Euh, mais bien réglé. Sachez qu'une distorsion va rajouter un petit côté acide au son, euh, un peu plus moderne. Pas forcément comme un mélotron, hein, mais ça pourrait se rapprocher un peu de l'idée, par exemple. Ça pourrait vous faire penser à ça. Euh, et euh, on peut euh, donc travailler avec ça. Vous ah, voyez, j'ai un petit peu sali le son euh, là-dessus. Euh, mon upright bass, j'ai été très sage dessus. Euh, je lui ai mis un petit chorus. Elle n'avait pas euh, besoin de plus. On non plus de surcharger les choses quand il n'y a pas besoin. Non, mais quand ça marche très bien comme ça. Et euh, là je me dis, bon, c'est bien, mais ce n'est pas encore très pop quand même, il hein, faut un petit peu le booster. Alors on va rajouter un angle, là j'ai pris un H2, et c'est là, vous voyez le H2 par exemple, vous voyez que sur les H, on a euh, la percussion qui est activée ici. Donc j'ai mis une percussion un peu soft, parce que si on la met en normal, ça, ça envoie plus du pâté, dans, dans ce que je voulais jouer, c'était moins. Euh, donc on peut la mettre slow, on peut la mettre face, on peut mettre la seconde, la troisième, euh, au niveau des harmoniques. Et on peut choisir donc entre trois euh, vibrato et trois chorus alors un petit détail, euh, là je suis en upper, vous voyez, c'est indiqué là, sur le truc là, je suis sur le upper. Euh, si vous passez en lower, je vous rappelle que sur le lower, sur les orgues, il n'y a pas la percussion. Et, par contre, vous partagez le même vibrato-chorus, vous pouvez choisir de l'activer ou de ne pas l'activer. Là, il est désactivé par exemple, bon, je ne sers pas du lower dans cet exemple là, mais je peux l'activer ou le désactiver. Euh, alors que vous voyez que sur le upper, il est activé. Donc, on a cette flexibilité là. Et aussi, et donc là je vais déjà avoir un quelque chose de genre d'un petit peu plus pop et sympa. Donc voilà, déjà un peu plus sympa, un peu plus pop. Et puis là, on va se dire à un moment, dans le pont, euh, on aimerait repasser un peu plus sur les strings, euh, peut-être un peu moins d'orgue. Alors je pourrais euh, désactiver ma section orgue en cours de jeu. Et puis, euh, vous voyez que je n'ai pas activé l'insert 1, hein, euh, parce que bah, sur l'insert je suis allé retravailler encore un petit peu mon son. Hein, je vous l'ai dit, moi j'aime bien euh, tout ça. Euh, J'ai encore remis un low-pass filter, mais cette fois, je l'ai travaillé différemment. C'est-à-dire que ça dépend comment on va l'ajuster. Et c'est tout l'intérêt d'aller travailler nos sons comme ceci et d'aller moduler les réglages. Vous voyez que le def est très très bas. Donc je vais juste voilà, repasser pour revenir sur mes réglages initiaux. Et tiens, je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Les live sets. Il n'y a pas de coupure quand on change de live set. Hein. Vous voyez, il n'y a pas eu de coupure de son. Donc là, je remets mon orgue et je vais activer donc mon effet, mon low pass filter que j'ai très bien réglé parce que maintenant vous entendez plus l'orgue. J'aurais pu désactiver là, mais vous allez voir c'est sympa. Je vais couper les deux. Mon orgue il est toujours là. Donc j'ai réglé mon low pass filter en fait de manière à ce que ici ça sonne et ici ça sonne plus. Et donc ça me permet voilà de faire une espèce de transition par exemple sur un pont. Et puis aller euh, après couper tout là et repartir voilà euh, quatrième exemple de live set alors là c'est le euh, c'est bah, c'était le magic filter que je vous ai montré euh, et euh, le quatrième c'était euh, le twist FM donc là on va à nouveau repartir dans la FM euh, mais vous allez voir que l'orgue, notamment FM, je vais... Excusez-moi du mot, je vais le tordre un petit peu. Euh, je vais vous faire écouter, je crois que ça va être mieux. Voilà, ça c'est un orgue. Eh ouais, on dirait pas comme ça, hein Voilà, là on a un, un orgue, voilà. Euh, vous voyez que j'ai euh, pas mal de tirettes qui sont euh, éclairées. Donc prenez bien en compte que... Alors si sur les sons H, on a bien nos 9 tirettes harmoniques qui travaillent, comme sur un vrai orgue... Euh, sur euh, les sons euh, FM, vous avez 8 opérateurs, donc vous n'avez que les 8 premières tirettes harmoniques qui sont actives. La première, la dernière, pardon, la dernière n'est pas active, c'est tout à fait normal, parce on travaille que euh, sur les 8 premières. Donc voilà déjà pour cette petite explication euh, là-dessus. Alors là j'ai encore parti un peu dans les basses, mais euh, je peux travailler les octaves. Même avec mon son d'orgue, je pourrais faire un lead, par exemple. Hein. Mais bon, là dans mon exemple, moi je suis plutôt parti euh, sur euh, une idée euh, de basse. Euh, donc cette basse, euh, et je l'ai associée avec un son AWM2 qui s'appelle Lobby Brass. Donc très sage pour l'instant. Je reviens sur ma basse. Euh, la basse. Là, je n'ai pas mis un low pass, il hein, faut changer un petit peu. J'ai mis un low file. Donc là, on va euh, casser un peu du son. Et vous voyez que là, c'est un orgue. Je suis parti sur quand même quelque chose qui est euh, beaucoup plus moderne. Euh, mon euh, Nobi Brass, lui, donc euh, au départ, euh, bon, je pourrais travailler le filtre, le ton. Voilà, donc là, c'est grand classique. Et je suis allé lui mettre euh, là aussi un low-pass filter, mais pas dans l'idée euh, d'aller faire comme tout à l'heure sur l'orgue. C'est pour ça que les réglages sont importants. Travailler, essayer les choses euh, de manière à essayer de. Vous voyez, j'ai travaillé un peu le son euh, pour qu'il sonne un peu euh, différemment. Et puis, euh, je suis allé lui mettre un phaser max 90. Et là aussi, c'est une exclusivité des YC, le max 90. Et là, on obtient quelque chose d'assez moderne. à la limite ça presque ça ferait penser à un vocodeur il n'y a pas de prise micro pour faire le vocodeur mais ça peut presque penser euh, à faire un euh, vocodeur alors dernier exemple que je voulais vous présenter euh, ce soir un petit temps limité, excusez-moi, je vais regarder l'heure un petit peu. Ouais, j'étais quand même un petit peu bavard ce soir. Euh, C'est pas grave. Euh, Celui-ci s'appelle FX Fun. Euh... Parce que je me suis un peu amusé avec les effets. Et pourtant, vous allez voir, on va démarrer de quelque chose qui est... Il y a un orgue, euh, il est sur toute l'étendue du clavier, et puis j'ai un petit digipad qui est sur la droite. J'aurais pu le mettre en entier, hein, j'aurais pu mettre mon digipad comme ça. Ça marche aussi. Euh, là, le son, ça peut, ça peut servir, c'est dit là, mais euh, il est très sage, on va dire même, carrément. Euh, et euh, on va travailler sur les effets, vous allez voir. Euh, on va prendre notre Digipad et euh, on va lui mettre un touchwa. Donc pour ça, je vais vous faire écouter, je vais, je vais couper mon angle. Et euh, sur un pad, un ce n'est pas forcément le choix qui vous viendra à l'idée. Voilà, donc c'est pas mal, ça ajoute des choses. Mais avant, je veux vous montrer ce bouton-là qui n'est que sur les euh, Vous avez le filtre et l'enveloppe générateur. Et vous allez voir que euh, notre digipad, le filtre est quand même assez efficace. On peut faire des choses, on peut le, on peut le couper, il n'y a plus rien. Hein. Mais vous voyez qu'on peut ajouter des choses intéressantes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que vous avez plusieurs courbe. Euh, il y en a 7 pour les filtres, il y en a 11 pour les enveloppes générateurs, donc on va attaquer comme ça l'attaque de euh, dessus. Et euh, vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir euh, quelle courbe j'ai Il y a plein de raccourcis sur le YXT, vous appuyez sur le bouton Exit et vous tournez, vous voyez à l'écran, voilà. Moi je suis sur un cutoff qui monte et une résonance euh, qui descend. Si vous voulez le garder plus précisément euh, dans l'écran, vous pouvez aller dans Settings et euh, chercher dans les sons et puis euh, fixer plus euh, les réglages. Mais sinon, vous faites comme ça, puis vous essayez de regarder la courbe qui vous intéresse et vous allez l'utiliser. Moi, je reviens sur plutôt hop, ma courbe 1, voilà celle-ci. Voilà. Donc, là, avec le touch et le filtre, en plus, le touch ça répond à votre vélocité. Et puis, euh, je lui ai ajouté un ring modulator. Alors, euh, le ring modulator, il peut être un peu, euh, un peu destructif. Mais là, je ne l'ai pas travaillé comme ça. Je l'ai travaillé dans l'idée d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à un LFO. Vous voyez Et donc, ça va nous donner. Cette espèce de modulation. Voilà. Évidemment, c'est du ring, ça tourne en boucle. Donc, notre son, il est devenu quand même beaucoup moins sage. Euh, si euh, je rajoute mon orgue maintenant. L'orgue avec, ça déteint quand même un petit peu. Euh, C'est bien pour ça que vous vous doutez bien que l'orgue, j'y ai trouvé quelque chose d'assez intéressant à faire. Et euh, dans mon exemple, je préfère rester sur la partie droite avec mon digipad. Et mon nom son d'orgue, je lui ai ajouté un text slicer. Donc un slicer, ça va découper le son pour faire des choses. Et là, écoutez bien la différence. Est-ce que vous entendez qui va de droite à gauche c'est le text slicer. Euh, je vous fais écouter. alors, bien évidemment, on peut euh, après travailler ici. Et après, il faut trouver quelque chose quand même qui est assez harmonieux euh, entre les deux, euh, bien évidemment. Euh, sinon, euh, ça ne va pas être joli. Quoi, hein. Il faut essayer de trouver un réglage qui colle bien euh, pour nos deux sons. Donc, vous voyez qu'on euh, on peut bien euh, s'amuser avec ça. Euh, et je vais revenir sur mon euh, live set numéro 3 avec mon, mon lead FM. Parce que je vous ai gardé un petit truc pour la fin. Euh, le lead FM, je n'avais pas activé ici cette section-là. Et vous voyez que ça se met à euh, clignoter ici. Pourquoi Parce que, en effet, j'ai pris un tempo delay ici. Et c'est très important, euh, quand vous voulez utiliser le tempo delay, c'est très très important euh, de le mettre plutôt ici, parce que ce sera plus facile à régler. Vous avez un bouton Tape Tempo. Et vous voyez que l'éclairage a changé par rapport au tempo que j'ai tapé. Donc selon ce que vous voulez faire. Après, vous avez le def aussi hein, pour régler. Ça vous donne le tempo à l'écran. Bon, là, j'y suis allé euh, costaud, costaud. Voilà. Donc, euh, petit conseil aussi, si vous voulez utiliser le tap tempo, on le met en insert 1 euh, de préférence. C'est plus facile pour régler votre euh, tempo comme ceci. Alors, euh, nous avons fini avec les exemples euh, de euh, nos euh, live sets. Donc, j'espère déjà que ça vous a, ça a plu. Et euh, moi, ce que je voulais vous dire, c'est voilà, essayez de sortir des sentiers battus, de dire je mets un petit chorus, je mets un petit compresseur. Essayez des choses. Il y a plein, plein d'effets euh, très intéressants, vous voyez qui sont super efficaces dans le YC. Eh ben, allez bidouiller, allez euh, travailler dedans. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses vraiment euh, sympa avec. Et moi, c'était ça que je voulais vous montrer ce soir. Alors, euh, les ressources qu'on a euh, sur euh, Yamaha, euh, donc Yamaha Saint, le site de référence Yamaha, vous allez trouver, alors il est en anglais, oui, mais euh, vous allez trouver donc un forum, vous allez pouvoir poser des questions, vous avez M. Phil Clendenin alias Badmister qui euh, va vous répondre, vous avez des articles, vous avez des vidéos, c'est là où vous avez les annonces des Tech Talk Live également. Euh, vous avez ID Scale, donc là si vous avez des idées euh, pour changer euh, des choses sur euh, votre YC, votre CP, etc., etc. Ben, vous pouvez aller sur ID Scale, sur le montage sur le MODX et peut-être qu'une de vos idées sera reprise dans un euh, futur operating system euh, de euh, notre montage, euh, de notre MODX, de notre YC comme ici ce soir ou euh, du CP. Pourquoi pas Soundmando, le site de euh, Sound Social Sharing, ça veut dire de partage de sons. Il y a plus de 10 000 sons, il y en a pour les refaits, il y en a pour les montages, il y en a pour les MODX, il y en a pour les YC, il y en a pour les CP. Donc vous pouvez partager des sons. Euh, il y a aussi des sons de Blake Angelo, de Hans-Peter Henkel, Ape, euh, d'artistes Yamaha. Les sons des live sets, des euh, cinq sessions euh, de ce soir. Un Dan Peter, de Gabriel, Emmanuel et moi-même et Blake euh, qui a dû commencer sa session. Euh, donc seront disponibles d'ici quelques jours euh, également sur Soundmondo. Comme ça, vous pourrez retrouver les sons que vous avez vus dans les vidéos. Vous pouvez les, ce qu'on appelle dumper, les recevoir euh, très facilement, euh, soit sur iOS, soit avec Android ou euh, sur un ordinateur euh, avec Google Chrome qui supporte le Web Mini. Comme ça, vous pourrez retrouver euh, tous les sons euh, qu'on a proposés. Soundcloud, vous vous Avez donc beaucoup d'exemples audio des artistes Yamaha, de Blake, euh, etc., avec de, de très belles démos et les émissions aussi euh, type radio qui sont hébergées sur SoundCloud. Le Yamaha Music Production Guide, ça c'est euh, notamment surtout Hans Peter qui est aux manettes. Euh, vous avez une version anglaise et une version allemande, et ça je vous l'annonce régulièrement, euh, notamment sur Facebook euh, quand ça sort. Donc il y a plein d'articles intéressants où ça rentre dans la technique, mais de manière toujours très très abordable. Ensuite, euh, le Tech Talk Question. Alors là, vous n'avez pas été du tout bavard euh, dans le Tech Talk Question. Je n'ai pas eu de question. J'ai regardé jusqu'à hier soir. J'ai reçu le dernier rapport hier. Il n'y avait pas de questions en français. Donc n'hésitez pas à aller poser les questions. On vous répond en direct. Il n'y a pas d'abonnement. C'est ultra euh, simple. Voilà. Je reviens euh, sur cette vue-là. Alors, c'est la vue pour répondre aux questions questions et eh ben, je me tourne vers le chat euh, donc je vois qu'il y a un collègue qui m'a dit bonjour euh, donc bonjour euh, et il eh n'y ben, a pas de questions donc bah, j'aurais pas de questions donc je pas de réponse à vous apporter euh, sinon vous savez où les poser les questions hein, sur les forums sur Facebook etc ou euh, sur Yamaha Sainte. Voilà, donc cette émission se termine. J'espère que vous aurez pris plaisir à la regarder. J'espère que les euh, différents réglages, les exemples que euh, je vous ai apportés euh, vous auront plu, que ça vous aura surtout donné des idées pour faire euh, vous-même travailler avec votre YC euh, dans ce euh, domaine-là. Et donc, euh, bah, je vais vous quitter. On se retrouve dans 15 jours. D'ici à peu près une semaine, on vous donnera le thème de la prochaine mission qui aura lieu dans 15 jours également. Et euh, je vous laisse retrouver Monsieur Blake Angelo en direct des États-Unis sur Yamaha Center. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à dans 15 jours. Au revoir